Hey, salut tout le monde, c'est Yokil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. On est sur la chaîne Eventide Production et aujourd'hui j'ai entendu parler d'un vieux moine, enfin d'un mage, Erendur. Alors en fait, Erendur, je crois il peut nous indiquer une quête d'Edra, c'est surtout ça que je recherche en ce moment. Donc, c'est quoi le problème de tout le monde dans le coin? Tous les habitants de la ville sont frappés par d'horribles cauchemars. Le danger qu'ils encourent est grand. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Une malédiction. Que pourriez-vous bien faire? Les rêves, ce n'est pas la réalité. Ne soyez pas ridicule, les rêves, ça n'est pas dangereux. Ou alors, je l'envoie chier carrément. Dans ce cas, partez, ce n'est pas votre problème. Non, allez. Ces rêves sont des manifestations de la princesse d'Edra, Vermina. Ha! J'en étais sûr. Elle est incroyablement... J'en étais sûr, les amis. On va découvrir une nouvelle déesse. Qui ne sont que les symptômes du mal qu'elle laisse. Je dois mettre fin à la terrible influence qu'elle exerce sur ces pauvres gens avant que les dégâts soient irréversibles. Quel est votre plan, jeune moine? Je dois retourner à la source du problème, le temple de Sorgevoix. Ah, ça je connais. J'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé et c'est un peu le bordel en fait dedans. Donc pourquoi parlez-vous d'y retourner? Vous y êtes déjà allé? Il a une gueule à y être déjà allé, si je crois. Quelqu'un entendait ce que nous disons, il pourrait y avoir un vent de panique. Ouais, vous savez ce que les ordures, ils viennent dire, il y a un temple et il fait super peur. Non, je vous fais confiance. En quoi puis-je vous aider? Je ne vous fais pas confiance, vous cachez quelque chose. Bon, allez. Merveilleux. Voilà qui fera plaisir à Dame Mara. Mara. Le temple de Sorgevoix n'est qu'à une courte distance d'Aubétoile. Venez. Nous devons faire vite. Alors, qui est Vermina, le seigneur des draps? Moi, je veux savoir. Vermina réside dans un étrange royaume, connu sous le nom du Pourbier. Un pays cauchemardesque, où la réalité mue sans cesse et dépasse notre entendement. Depuis sa citadelle située au cœur de ce royaume, elle se tend vers nos esprits pour s'emparer de nos souvenirs, ne les remplaçant que par des visions d'horreur et de désespoir. La destruction. Qui peut le dire? Peut-être les collectionne-t-elles comme des œuvres d'art dans une galerie de l'absurde. En tout cas, ses intentions sont loin d'être bienveillantes. Je promets de répondre okay. À toutes vos questions. Alors... Non, voilà. La fin du cauchemar. Ok, c'est bon, j'ai déjà la quête. Je supprime ça. Et c'est bon. Allez, on va le suivre. J'espère qu'il est pas trop lent. Disparition. Vous voyez ces guerriers de l'enclume? Donc voilà, en fait, je vous l'ai pas dit, je suis à Aubétoile hein, pour trouver cette quête. Et c'est dans l'auberge. L'auberge Mont Vent. Donc voilà, si vous voulez trouver cette quête, on y est. L'étoile d'Azura? Comment une telle chose est-elle possible? Oui, c'est bien beau, mais il va me montrer le chemin, lui. C'est une chance d'enfin aider ces gens. Il m'a été douloureux de les voir souffrir sans pouvoir rien faire. La tour de cette colline est notre destinée. Voilà, on est enfin arrivé. Donc là, c'était une longue marche avec, avec un petit peu d'ennemis, quoi. Adressez-vous à Erendur, c'est parti. Nous entrions, je dois vous avertir des dangers qui pourraient vous guetter à l'intérieur. Il y a des années... Je suis le Dovahkiin, pas un simple barbare. ...par une armée d'orques qui cherchait vengeance. Ils étaient la proie de cauchemars, comme les gens d'Aubétoile aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont réussi? Non, sachant qu'ils ne viendraient jamais à bout des orques. Les prêtres de Vermina ont libéré ce qu'ils appellent le miasme, plongeant chacun dans un profond sommeil. Oh, bonne nuit les petits. Pourquoi est-ce dangereux s'ils sont endormis? J'ai peur que, lorsque cet endroit sera ouvert,
le miasme se dissipe et que tous se réveillent, orques et prêtres. Le réveil des orques. Bon, on va le suivre. Et je vais prendre mon arme que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Comme ça, vous savez. Stylé. Non, non, mais ça me disait bien quelque chose. Je suis déjà allé ici. Petite statue. Petite statue. Et Talos, notre erreur. J'ai pas pris ce bouquin. Si, je l'ai déjà pris ce bouquin. Il y a eu un spawn de livres, les amis. Il va ouvrir la porte que je n'ai jamais réussi à ouvrir. Ah, c'était par le feu. Fire Dead. Téléportation. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer l'origine des cauchemars. Par ici. Cauchemars, putain. J'ai trop la trouille. Oh, j'aime pas la musique, j'aime pas. J'ai peur. Oh, j'ai ouvert la porte. Non. Oh, 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 il y a des orques. Il y a des orques. Et il n'y a pas que des orques. Il n'y a pas que des orques. Non. Tu vas mourir. Jeune adepte. Fatality. Ok, donc ça, c'est fait. Robe de Vermina, comme ça a l'air rare, je vais la prendre. Et qu'est-ce qu'y a-t-il sur nos amis orcs? Crochet, or, épée de Wemmer, on s'en fout, ça c'est déjà. Alors, il faut que je retrouve le vieux, moi. Alors par contre, oui, je dois baisser un petit peu le son. Voilà. Il faut rester sur nos gardes. Il y a du brouillard, ça pue. Enfin, je ne sais pas si ça pue en fait. Oh. Ils vont être réveillés. Oh. Exécution. Et ben voilà. Je te laisse le finir, jeune ami. Tu mourras par le feu. Oh. Et hey, il est pas si nul que ça, hein, ce vieux moine là. Jeune adepte. Grenat, je vais pas pouvoir le vendre. Hydromel nordique, non, j'ai pas envie d'être bourré. Non, quoique. Non. Non, ça je m'en fous, j'ai déjà. Alors, où va-t-on? Où va-t-on? Ah, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Terminé. Les prêtres ont activé cette barrière lorsque le miasme a été libéré. Le miasme. Oui, c'est même impossible. Je me demande. Il y a peut-être un moyen de contourner la barrière, mais je dois consulter leur bibliothèque pour en être sûr. Vas-y, consulte. Je sais pas lire. Je sais pas lire en fait. Je crois que je n'ai aucune raison de cacher la vérité plus longtemps. Ma connaissance de ce temple vient de mon expérience personnelle. J'ai été prêtre de Vermina. Ok, pourquoi garder cela secret? Vous auriez dû me dire la vérité. Je le savais, vous êtes un menteur. Non, bon, c'est bon. Lorsque les orques ont envahi le temple, j'ai fui. J'ai laissé mes frères escape. J'ai passé les dernières décennies dans le regret. Mais vous trouvez pas qu'il est bleu? Il est bleu? Mais regardez! Alors, ok, c'est un elfe, mais regardez un peu. Peut-être que moi je suis pareil. Je me suis transformé en avis, c'est ça? Mon dieu. Ouais, suivez Air Endure à la bibliothèque. Alors. Non, ça je vais te ramasser. Vas-y, je te suis. Ah, mais comment il avance trop lentement, quoi. Allez, avance. Oh non, mais c'est pire qu'un vieux. En même temps, c'est un vieux, je sais, mais bon. Je suis déjà passé par là. Sur vos gardes. Nous allons trouver davantage de... Donc là, je les ai déjà tués. J'avais la clé, apparemment. Le voleur de clés.
Livre brûlé, voilà. Ah. Ah non, je peux même pas les lire en fait. Bah non, ils sont brûlés donc. Et là, c'est quoi? La marche onirique. Bla 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 bla. Je prends. Et j'ai pris le livre, un livre extra rare, unique, unique en bord de ciel. Barbarie, traîtrise. Oh, ils utilisent les éclairs. Je meurs à petit feu. Meurs, adepte. Deuxième fatality. Cherchons un livre de recettes alchimiques intitulé. Et ben voilà. Et ben j'en étais sûr. Et ben j'ai ramassé ce livre. L'ouverture du tome que vous cherchez représente Vermina. Il ne doit pas être loin. Oh mais j'ai trouvé. Je suis en avance sur mon temps les amis. Montrez-moi un peu. Mara soit louée. Ah mais il va complètement broyer le livre s'il le tourne comme ça là. Il a pris un espèce de marteau d'Oemer. Le gros voleur. Un genre de potion. La torpeur octroie un pouvoir que les prêtres de Vermina appellent la marche onirique. Elle permet d'utiliser les rêves pour franchir de grandes distances dans le monde réel. C'est stupéfiant. Je ne vous le fais pas dire. L'alchimie est la bénédiction d'une divine distillée dans un liquide buvable. Mais je veux boire. Je dois reconnaître que je ne l'ai pas encore vu fonctionner de mes propres yeux. Ouais, vous voulez que je vous serve de cobaye, c'est ça? En tant que prêtre, c'est méchant. L'élixir n'a pas d'effet sur moi. La torpeur ne fonctionne que sur les prêtres de Vermina et sur les personnes neutres. D'accord, ça m'a l'air dangereux. Comment pouvez-vous en être sûr? Ça ne va pas, non, ça pourrait me tuer. Vous savez où on peut trouver la torpeur? Comment? Ah, d'accord, ok. Je vais y aller direct. Laboratoire dans l'aile est. Si nous y parvenions, nous pourrions prélever un échantillon. Mon arme préférée, le balai, effectivement. Encore un orc. Le réveil brutal que je leur réserve. Oh non, j'ai pas fait de décapitation. J'ai pas fait de décapitation. Oh la carbonisation, quoi. Tu ne vaincras jamais Dovahkiin. Oh. Voilà, il est faible. Elle se régénère en plus. Et il s'en sort pas trop mal, il rend dur. Torpeur, torpeur. Comment saurais-je à quoi ça ressemble? Ok. Je vais commencer à chercher ici. Torpeur de Vermina. Super. Alors, j'ai trouvé ta potion. En quoi puis-je t'aider? J'ai trouvé la torpeur. Je suis soulagé que vous l'ayez trouvé intact. On dirait que cet endroit a été pillé par des orques. Ah bah ça j'ai vu, hein. Il y a que des orques. Il y a des adeptes chelous, membres d'une secte. Une secte bizarre aussi. Oh non, ici maintenant. Comment ça, ici maintenant? Enfin, il rend dur. Le sort d'Obétoile dépend de cette petite bouteille. Plus nous attendons, plus Vermina risque de violenter ces pauvres gens. Ok, 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 ok. Je comprends votre hésitation, mais je vous promets que ça marche. Bon, j'espère que ça marche, bordel. J'ai pas envie de mourir empoisonné. Continuons. Donc, potion... Torpeur, torpeur. Torpeur de Vermina, utilisé. Waouh! La grosse vision de fou! Tu dois activer la barrière et libérer le miasme. Ne laisse rien ni personne t'en empêcher. Ok. Alors, où aller? Et puis je ne vois rien, j'ai l'impression d'avoir fait un retour chez l'ophtalmo en fait, là je...
Maman, pourquoi elle m'a mis des gouttes? Alors, libérer le miasme. Ok, donc là c'est la guerre civile. Je n'ose même pas m'approcher. Ok, là aussi. Pardon. Je suis pacifiste. Je n'aime pas la guerre. J'ai 3 enfants, j'ai une femme. Enfin, j'ai une femme, moi. Alors, le miasme. Le miasme. Avec la voix des rendures. Le miasme. Cassez-vous! Oh yes! Enfin! Octet! Relâchez chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger! Ok, ça va déverser le. Wow! Que dois-je faire? Désactiver la barrière magique. Boum. Plus de courant. Tout a fonctionné. Louange à Mara. Louange. Vous avez disparu après avoir bu la torpeur et avez repris forme de l'autre côté. Je n'avais jamais rien vu de pareil. La maîtrise, gamin, la maîtrise. Alors, c'était incroyable, j'avais l'impression d'y être réellement. Comme je vous envie. Je ne peux qu'imaginer l'excitation de voir l'histoire se dérouler par les yeux de quelqu'un d'autre. Malheureusement, il faut que je me contente de la lire au travers de mes recherches sur le crâne. J'aime les crânes. nous pourrons en parler plus tard, là il faut continuer, oui. Vous avez raison. La vénération des manœuvres de Fermina ne doit pas prendre le pas sur notre mission. Mes excuses. Oh, c'est trop gentil. Franchement, je suis touché. Nous devons atteindre le crâne et mettre fin au problème que connaît Obétoile. Ah, il se réveille. Exécution. Tu es en train de noircir grâce à mon armure d'ébonite. Tu es faible. Queue de Ragnar. D'accord. Bot. D'accord. Tu ne toucheras pas, Héron dur, adepte. Fatality. Ok. Oh non, on dirait le mec de The Witcher, sérieux, avec la coiffure. Oh non, oh non, on dirait trop en plus. Oh. Ok. Oh non, comment... On dirait qu'il est en train d'accoucher, le mec. Je vais te mettre dans une position un petit peu plus digne. J'ai les bras trop courts. Oh, en plus, j'ai touché à Irandur. Mais regardez ce combat trop pas épique, quoi. Mais viens te battre. Voilà, Fatality, allez. Torek. Je kifferais m'appeler Torek, sérieux. Je ne me fais plus appeler comme ça. Je suis Erendur, prêtre de Mara. Tu es un traître. Tu nous as laissé mourir et tu t'es enfui pour échapper au miasme. Traîtrise. J'ai eu peur. Je n'étais pas prêt à dormir. Assez menti. Je ne peux pas te laisser détruire le crâne, prêtre de Mara. Alors, règlement de compte. Oh! Tu ne connais pas les pouvoirs du Dovahkiin, Véren. Je me réfugie en haut comme dans tous les méchants de tous les films. Meurs par le feu. Je connaissais Véren. C'est triste, c'est triste. Ils étaient mes amis. Suis-je puni pour mon passé? Est-ce la volonté de Mara de me tourmenter autant? The Punisher. Nous n'avons pas eu le choix. Ils voulaient nous tuer. Ils avaient peut-être raison. Ne détruisez pas le bâton. Ils voulaient nous tuer. Bon, oui. Oui, vous avez raison. S'il fallait qu'il meure pour qu'Obétoile vive, alors c'est ce qu'il fallait faire. Attendez qu'Erendur désactive la barrière. Je vous implore, Namara. Le crâne réclame des souvenirs et ne les échange que... Enfin, le crâne. Vermina, où es-tu? La force de briser cette barrière et d'envoyer le crâne dans les profondeurs d'Oblivion. Les profondeurs d'Oblivion. Oh! Lorsque le rituel sera terminé,
Le crâne sera libéré et Erendur se retournera contre vous. Vite. Il va se retourner contre moi. Tuez-le et octroyez-vous le crâne. Vermina vous l'ordonne. Non. Assassiner Erendur. Alors attendez. Sauvegarde. Oh, j'ai toujours pas sauvegardé. Sauvegarde. Et là, je vais le tuer. Guerrier. Fatality. Prenez le crâne de la corruption. Activier pied destriel du crâne. Non, je ne peux pas l'activer. Ok, la fin du cauchemar, c'est terminé les amis. Et je suis lent, obèse. Je ne peux plus courir. Mais j'ai récupéré le crâne. Donc bah je crois que cette petite vidéo va être terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est peut-être plus court que d'habitude, je ne sais pas. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous ai fait découvrir un petit dieu des draps. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et ciao.